Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des priorités dans les calculs. Règle capitale en maths, vraiment la règle essentielle. Quand il n'y a pas de parenthèse ou à l'intérieur de parenthèse, vous verrez plus tard, on verra des parenthèses, eh bien les multiplications et les divisions doivent être faites avant les additions et les soustractions. On dit qu'elles sont prioritaires. Exemple, dans mon exercice, dans ma question A, vous avez ici une multiplication et une soustraction. L'erreur, hein, vous voyez ici, on voit, voilà, vous avez 2 moins 2. Est-ce qu'on va faire 2 moins 2 qui donne 0? Eh bien non. Pourquoi? Parce que eh bien, la multiplication doit être faite avant. C'est-à-dire que vous devez faire avant ce 8 fois 2 et même ce 2 fois 4 avant de faire la soustraction. Ça va nous donner quoi? 8 fois 2. 8 fois 2, 16. Moins, ici, 2 fois 4. On fait la multiplication et vous obtenez 16 moins 8. Là, vous pouvez faire la soustraction. Ça vous donnera 16 moins 8. Égal à 8. Donc capital, toujours faire les multiplications et les divisions en premier. Donc dans l'expression B, on ne va pas faire tout de suite 6 plus 11. On va d'abord faire 11 fois 3. Donc tranquillement, ça va nous donner quoi? 6 plus 11 fois 3, 33, moins 2 fois 4. Et là, vous avez une autre multiplication. Donc on va faire tout de suite, avant de faire la soustraction. Donc ça sera moins 2 fois 4. Donne 8, donc moins 8. Maintenant, vous n'avez plus que des plus et des moins, c'est-à-dire des additions et des soustractions. Et on va aller de gauche à droite tranquillement. 36, bon, 6 et 33 qui nous donnent 39, moins 8, 39 moins 8, égale à 1. Question C. On repère donc les opérations. Une division, tout de suite, on va faire division suivie d'une addition. Donc celle-là, on l'attend, on la laisse. 2 fois 7, ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Ensuite, 1 plus, on attendra. Et à multiplier. On va donc faire, avant les additions, nos trois opérations ici, une division et nos deux multiplications. C'est ce qu'on appelle la priorité. Donc, 12 divisé par 4. Ici, ça donne 3. Plus 2 fois 7, 14. Plus 6 fois 3, 18. Et là, nous n'avons plus que des additions. On va les faire de gauche à droite. 3 plus 14, 17 plus 18, donc 17 plus 18, 35. Vous faites ça, évidemment, sans calculatrice, très très important. Quatrième, vous avez compris, on va eh bien faire tout d'abord les multiplications. Alors, on pourrait faire aussi 6 moins 3 tout de suite, ça ne dérange pas, puisqu'il est succédé d'un plus. Hein, mais ça, on va attendre. Pour l'instant, on va vraiment faire les choses dans l'ordre. Les multiplications. Donc ici, on va faire 4 fois 3 d'abord, ensuite vous avez un plus et une division. Donc on peut tout de suite faire la multiplication et la division. Ça nous donne 6 moins 3, plus 3 fois 4, 12, plus notre division, 10 divisé par 5, 2. Et ensuite, eh bien, on va faire de gauche à droite, donc 6 moins 3, 3. Vous voyez, on aurait pu le faire tout de suite, mais ça c'est avec l'habitude qu'on fera. On a donc 3 plus 12 plus 2. On fait donc 3 plus 12, 15. Plus 2, 17. Alors vous verrez après, on peut, vous savez peut-être déjà, faire les additions plus rapidement que ça. Mais pour l'instant, on fait vraiment tranquillement pour bien que la règle de priorité rentre. Cinquième et dernière expression. On a donc 7 fois 6 moins 4 fois 2 plus 6 divisé par 3. Vous voyez d'ailleurs dans le rythme, quand on prononce, on doit dire 7 fois 6, moins, vous laissez un petit temps, 4 fois 2, ça c'est assez rapide, plus 6 divisé par 3, pour qu'on comprenne bien un petit peu les priorités, rien qu'en entendant le son. Donc 7 fois 6, on va commencer, vous avez bien saisi, on va faire d'abord donc cette multiplication, ensuite la deuxième, et ensuite la division. Et seulement après, les moins et les plus. Donc 6 fois 7, 7 fois 6, 42. Moins 4 fois 2, 8, plus 6 divisé par 3, plus 2, ce qui nous donne 42 moins 8, 34, plus 2, 34 plus 2 égale 36. Voilà, j'espère que j'ai été clair, à très bientôt.